la mer qu'on voit danser le long du golfe clair a des reflets. C'est grâce à sa grand-mère, alors qu'il était tout petit, qu'il a découvert l'art du pliage du papier, l'origami. Lui, c'est Gérard Tissovan. De retour à Rombin, il présente jusqu'au 17 juin une exposition autour du thème de l'océan. Une plongée dans les fonds marins pour découvrir un art et une discipline devenue sport national au Cambodge, pays d'origine de Gérard Tissovan. La mer, bergère d'azur. Je me souviens quand j'étais jeune, on n'a pas la chance d'avoir des jouets comme tous les garçons en France. Un seul matière que je peux ramasser, c'est du papier, qu'on les jette à gauche, à droite. Et on essayait de modifier à la base, par exemple, un petit bateau. J'essaie de renverser les plis pour voir comment on va donner une autre forme. Et depuis son enfance, Gérard Tissovan a créé des milliers d'œuvres d'art. Car oui, il s'agit bien d'œuvres d'art. Animaux ou végétaux, gros ou petits poissons, mettez votre masque et venez explorer ce fond marin. Et j'essayais de créer tout le plus de variété possible. Parce que le pliage, c'est compliqué, vous voyez. Une seule fois, on changeait justement un ou deux plis, ou de bien complètement changer les formes du pliage. Et comme le pliage, il y a de toutes sortes de variétés. Il y a les crabes, il y a les baleines, il y a les cachalots. Chaque forme, c'est vraiment une autre façon de plier. Je fais des recherches plusieurs fois pour parvenir. Ce n'est pas ça vient tout d'un coup. Oui, oui, il faut des recherches quelquefois un mois, deux mois pour un seul sujet. Et maintenant, quand je maîtrise bien mon art, donc je peux faire très vite quelques jours, quelques semaines, quelques heures. Ça dépend de la difficulté des pièces. J'aime bien de développer, de faire des recherches, de faire de telle façon le plus juste possible. Et le plus de détails de chaque sujet, c'est pas la peine de vous dire que ça c'est un chien, ça c'est un chat. Non, c'est pourquoi je mets jamais, comme vous avez vu, le thème de la mer, la même chose. J'aime bien de vous faire découvrir. Vous-même, mais moi je suis content de t'entendre. Ah, c'est une baleine ça. Ah, c'est un cachalot ça. Sur le sable, passe à la mer, se dresse là. Poissons exotiques et multicolores, l'objectif de cette exposition est également de sensibiliser le public sur le sort de notre planète. Un public qui pourra non seulement visiter l'exposition, mais aussi participer à des rencontres avec Gérard Tissovan. C'est le cas de nombreux élèves rombasiens qui découvriront les bases de l'origami à travers différents ateliers. Gérard Tissovan sera également présent pour une démonstration publique ce samedi 26 mai à partir de 10h30 sur la place de l'Hôtel de Ville. Il réalisera une grue géante. Une grande grue qui fait avec un carré de 7 mètres de côté. Et j'aime bien que tous les rombasiens de venir participer à cette opération pour rendre aussi la mémoire du Japon, vous voyez, le tsunami du Japon, pour rendre hommage. Vous voyez. Et pourquoi une grue? Parce que la grue, c'est un oiseau sacré au Japon. Et, on fait le mille grues, histoire de mille grues. Oui. C'est une personne malade et puis il demandait le Bouddha de réaliser mille grues pour qu'elle puisse guérir, etc. Oui, c'est une histoire. De... Celui qui fait partie des 10 meilleurs origamistes du monde, celui qui est capable de créer une œuvre d'art à partir d'un carré de quelques millimètres ou d'un autre de 25 mètres de côté, sera dans notre ville jusqu'au 17 juin. Ne manquez pas son exposition, elle est visible tous les jours à l'espace culturel. Les diagonales. Vous voyez, il n'y a que deux diagonales dans un carré. Et maintenant, je plie. Mais géométriquement respecté, oui. Comme je vous ai dit, que quand je fais un pli, je fais très attention. Je mets correctement sur la ligne de la diagonale.
Et ça, on appelle la symétrie déjà, oui. Je plie d'un côté, je plie la même chose que l'autre. C'est comme nous. Si on partage notre corps en deux, nous avons la main droite, la jambe droite, gauche-droite, les yeux, les oreilles. Oui. Et je suis en train de partager ici pour former les deux ailes ici. Et maintenant, vous avez vu? On entend chanter maintenant. Vous voyez? Il mangeait toute la journée sans... On n'a pas besoin de piles ni électricité.